Yes, yes. Ouais. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en Hollande avec Fred. Yes. Et avec Nils. Hi Nils. Hi. Nils, c'est un local parce que là, on va explorer vraiment des nouvelles zones aux alentours de Groningen. On n'est jamais allé par là, ni moi ni Fred. Et ouais. Du coup, Fred connaît Nils depuis un petit temps. Ils ont déjà partagé un peu sur les réseaux. Donc, il nous a gentiment invités aujourd'hui à une session de pêche. Du coup, on est venu jusqu'ici et on va explorer ces nouvelles zones. Et puis, on va se lancer un petit défi, ouais. Comme la dernière fois. Allez, un petit défi 30 minutes. 30 minutes avec un leurre et exclusivement un leurre. Hein. Et après, on change. Et on verra qu'on attrape du poisson ou qu'on n'attrape pas, toutes les 30 minutes on change. Et on verra si on arrive à avoir les touches sur plusieurs types de leurres, plusieurs vibrations ou sur un seul type. On a déjà fait une vidéo comme celle-ci, je vous propose de suivre le lien si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est parti ? On y va ? Allez, on y va. Let's go. Raté. Hein? J'ai une touche. Une touche sous le pont, les gars, là, il y a un peu d'ombre. Il y a du poisson. Yes. Yes. Poisson. Ah, décroché. Yeah, I missed it. Oh, fuck. Bon les gars, premier poisson là, raté malheureusement. Ah ouais, il m'a un peu enlevé de l'heure, donc voilà, sur la nouvelle taille, donc le 9 cm. Ah ouais, il me l'a déchiré, je vais devoir le repiquer. Pas mal de nouveautés, donc d'abord une nouvelle taille, 9 cm, et puis un nouveau coloris, Black Tiger. Puis aussi un changement dans le plastique, on a enlevé les phtalates, du coup c'est une matière toxique en moins et en même temps ça rend notre plastique un peu plus souple, donc je suis content de gagner un peu de souplesse. Je sens bien, il y a un petit courant ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a les crasses qui avancent à une belle vitesse, une eau un peu foncée, donc même avec le soleil, le cendre devrait taper sans problème, bon, on vient de le voir, donc voilà, je le sens bien, je sens que je vais en refaire d'autres. On va voir. Est-ce que c'est sûr? Should I go all the way up? Go through lock and then they add the water to see. Big one! Big one! Yep! Cendre? Dans tes pieds, hein? Dans tes pieds. Putain, il veut pas, hein? La tête dedans, c'est bon! Ça, c'est bon, ça! Il est vivace. T'as vu comme il voulait pas rentrer dans l'épuisette. Ah ouais, ouais, regarde, la tête dans l'épuisette. Regarde le bleak shad. Tantan. Ah, il est bien gras en plus. Ouais, il est vraiment... Ouais, ouais. Il m'a mis en combat. Laisse tomber. 62. Yes. Yes. Allez, on le relâche vite. Il a bien combattu. Yes! Man! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super bon. Alors là, depuis tout à l'heure, on avait pêché avec un coffee perch noir. On n'avait pas... Sam, tu avais une touche. On avait perdu le poisson. Donc là, maintenant, on était passé à un deuxième type de vibration, soit quelque chose d'un peu plus... tonique au niveau de la couleur, le natural perche,
et là quasiment en vertical sous mes pieds. Et alors le combat, mais incroyable, incroyable, il voulait pas rentrer dans les fusettes, il sait qu'il a combattu comme un broc. Bon, on va continuer à pêcher avec le blick, voir pendant une demi-heure ce que ça donne, et après on changera. Allez, c'est parti. '86-'87, magnifique, il est un peu abîmé sur la mâchoire, on va le relâcher de suite. Allez, allez, on va le relâcher de suite. Et voilà, il est parti. Yes, exactement là où je pensais l'avoir. Hop, attends, on va capturer ça. Exactement là où je pensais avoir un poisson. Il y a une structure avec des pieds en bois et les pieds s'éloignent en fait, donc ça crée on va dire des caches potentielles. Et en fait j'ai lancé juste un peu trop loin, je suis tombé sur une poutre parallèle, enfin, ouais, perpendiculaire. J'ai décollé et en fait quand j'ai décollé, il a dû le saisir juste à ce moment-là parce que je pensais être tanké. J'ai mis un coup et j'ai senti qu'il allait derrière, il a fallu que je le sorte. Un petit peu de chance, mais c'est pour ça aussi que Nils doit bien tuyauter. Il y a du brochet, il y a du cendre, il y a de la perche, il y a les trois espèces. Donc là, on ne fait pas l'impasse. Je mets un bas de ligne acier, ce qui me permet de faire ces poissons-là. Top. Bon, mais deux poissons pour le Bleak Shad, pour le moment. Zéro pour le Coffee Perch. On continue, on va voir au bout de la demi-heure ce que ça donne. Allez, c'est parti. Yes, yes. Ouais. Ouais. Petit cendre. Hop là. Ah, ça c'est bien mon style. Je vais me mettre ici en dessous dans les structures. Parce que j'étais tanké en voulant faire un lancer en dessous. Du coup, je me suis dit, bah, je vais rester, refaire un petit lancer. Et voilà, un petit cendre. Je vais voir si on a d'autres, là, mais j'aime vraiment bien le spot. Allez, hop. Voilà, et bien sûr, toujours sur le perchade. Le chrono n'a pas encore sonné, du coup, on continue là-dessus. Mais ça fait déjà, en moins d'une demi-heure, trois poissons validés pour Fred et moi. Fin de la demi-heure. Il va falloir changer, même si c'est dur. Allez, c'est parti. Ah, yeah. J'avais pas vu le truc là. D'accord, c'est ça. Génial ça. Tu vas ramener quoi en fait? Je vais prendre des maquereaux, du maquereau fumé. Ça, tu sais que c'est super bon ça. Des truites? Des truites comme ça, mais fumé à chaud en fait. Okay. C'est fumé à chaud. Alors, verdict d'un Français. Les crevettes sont bien, mais alors le pain. Bon, pas ouf, hein, pas. Le pain, il faudra qu'ils revoient les choses, les Hollandais. Là. Ça vaut rien. Rien. Quel dommage d'avoir aussi peu de goût que ça. On mettre un pain comme ça avec des bonnes crevettes. Mais bon, tout le monde ne peut pas être Français. Ben, dites-nous si vous connaissez des spécialité hollandaise, si vous êtes déjà allé en Hollande,
Mettez-nous le nom, la prochaine fois on ira les tester. Mais bon. Là, allez. 50% de bon. Alors ça, ça donne quoi? C'est pas mal du tout. À l'ail. La petite sauce, super frais. Nickel. Bon. Finalement, on va peut-être laisser une bonne note. Ok les gars, nouveau changement de couleur là. Donc on était sur les drawing bait en 12. Je vois les alevins, ils sont vraiment petits. On a eu de la touche sur les bleaks en 9. Du coup, moi je pense que le facteur aujourd'hui, c'est vraiment la taille. Et on est repassé du coup sur les nouvelles tailles de perchat, donc en 9 cm. Le coloris White Tiger avec la petite pointe de couleur ici, c'est pas mal. Je pense qu'on va reprendre des tapes là-dessus dans les prochaines minutes. On va voir. J'étais vraiment pris, j'avais donc mis le petit coffee perch, il y a vraiment un rolling extra, et là juste entre les bateaux, boum, zéro touche en fait, j'ai vu mon fil se déplacer et j'ai su qu'il y avait un poisson. On va repartir à l'eau, dans l'épuisette. Yes. C'est beau ça! Coffee Perch White Tiger, c'est validé! Validé! Ça c'est bon! Vraiment une vibration en rolling beaucoup plus accentuée que le Coffee Perch qu'on connaît dans les petites tailles. Et cette nouvelle taille, cette nouvelle couleur, je pense, vont faire des dégâts. Je viens de la prendre en main et ça n'a pas mis longtemps avant d'avoir la première touche. Allez! On continue, voir si on peut confirmer quelque chose là. Alors là, il y a une structure en bois qui lie tous les piquets là. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire passer son leurre tout doucement. Puisqu'en fait, beaucoup de carnassiers, en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'activité, ils vont vraiment se rapprocher de cette structure et se positionner dessous. Donc des fois c'est pas la peine de lancer, c'est la première des choses à faire, c'est de faire le linéaire comme ça, en trimballant votre leurre en vertical. Donc là je viens de faire un brochet sur ce type de structure, là on en voit un peu, là il y a des gros puits en bois, des encrochements qui sont à quelques mètres de... à 1 mètre, 1,50 mètre de la bordure, donc là je rase vraiment le mur. Il y a forcément des trous au fond. Et ce que je cherche, c'est vraiment à passer devant ces trous en fait. Bon ben voilà les gars, on finit cette petite expérience là des 30 minutes sur le perchad. Donc qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Je pense que c'était... Le bleak a donné 3 poissons. Ouais, en 9 cm. Je pense que c'était dû à la taille des alevins surtout. Oui, de toute façon, cette année, on a une reproduction qui a été tardive, on a eu un gros coup de froid au printemps, et sur toute l'Europe, on constate que les alevins sont de taille plus petite pour la même période. Donc c'est vrai que, toujours pareil, hein, l'observation vous permet de vous ajuster d'une année sur l'autre, ou d'une zone à l'autre, ça ne sera pas forcément la même chose. Donc pensez à observer ce que vous voyez, ici on voit beaucoup, beaucoup de petits alevins, et régulièrement on va prendre avec ces petites tailles. Voilà. Ouais. Donc nous on va continuer notre aventure ici. Ouais. On a encore la demi-journée à pêcher. On a fait un peu de borne pour venir ici, donc on va en profiter. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant qu'on a suffisamment de poissons pour vous faire une suite. Mais on y croit. Et encouragez-nous dans les commentaires, on ne manquera pas d'y répondre. En tout cas, merci de nous suivre. Activez la cloche, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. On leur dit
À la prochaine, les gars. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.